Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Il est 21h, pile poil quasiment. Là, on est vraiment à l'heure. Hein, on est avec Alain, tu crois que c'est une performance? Ah bah tiens, pour nous. Quand on fait de la télé, on doit être à l'heure. Ah oui, mais il y a télé. T'es bien placé pour le savoir. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat là. Alien, Fay, Mister Joe, j'ai vu, il y a Diecus, Gaspard, Emily, LFROS, Gorgus, ah bah tiens, Victor Doom, Doom, Steph, Alex B, Rani, Nico Stripper, comment dire, Titou, Erwan, Datagram, voilà, il y a même Doc, voilà, bah on Jimmy, Piotro Ritlo, putain, il y en a, ils ont des noms impossibles à prononcer. Donc en tout cas, bah, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, la Libre Antenne saison 2 avec Alain pour parler de plusieurs choses ce soir. On a dit déjà qu'on commencerait par l'Ukraine. On va parler de l'actualité. Voilà. Quand même, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est quand même un show. C'est extrêmement chargé. Ouais. Moi, j'avais préparé, je m'étais promis depuis un moment de faire une petite émission sur la femme médiévale. Après, j'ai dit, tiens... c'est intéressant de centrer sur la femme médiévale, la guerre de 100 ans. On a fait quelque chose à Orléans. Oui. Bon, c'est pas encore passé. Mais bon, finalement, je vais essayer de faire un mix. On va improviser tout ça. J'ai prévu donc parler de la femme au Moyen-Âge, d'en parler même dans le détail, comment elle s'habillait, comment elle se soignait et comment elle se faisait belle. Et puis, pourquoi finalement... les femmes au Moyen-Âge étaient crédibles. Alors ça c'est quand même intéressant parce que c'est une courte période historique dans laquelle le statut de la femme est particulièrement élevé. Donc j'avais montré ici quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est qu'on voit ici la couverture d'Historia. C'est un Historia d'il y a 2 mois. Qui dit « Le Moyen-Âge libère la femme ». Alors, il pousse un petit peu quand même par rapport à... c'est un mouvement de balancier, hein, parce que le Moyen-Âge, c'est pour le sens commun, quelque chose de très sombre, de très noir et de très passéiste. Et moi, ça fait longtemps que je prétends que le Moyen-Âge n'existe pas, et que justement, à partir du XIIe siècle, le statut de la femme s'est trouvé renforcé jusqu'au XVe siècle. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de femmes de pouvoir qui peuvent émerger, hein, et comme Yolande d'Aragon, comme Jeanne la Pucelle, on en a beaucoup parlé, on en parle encore, et comme Christine de Pisan, qui est une première femme qui vide sa plume entièrement, hein. Il faudra attendre Georges Sand après. Hein. Puis même Hildegard von Bingen au XIIe siècle, qui est la seule compositrice féminine qui était très prolifique en matière de composition musicale. Bon, voilà. Donc on est dans une période bien fermée, avec un début, une fin, où la femme a un statut qui n'est pas celui de l'homme. L'Ukraine, on oublie. Oui, alors on va parler de l'Ukraine. Bon. Un petit mot quand même. Un petit mot sur l'Ukraine, parce que... Voilà, non, mais j'introduisais. Alors, on ne peut pas ne pas parler de l'Ukraine, parce que, évidemment, il se passe là-bas des choses extrêmement graves et dramatiques, où les États-Unis d'Amérique... veulent absolument faire la guerre à la Russie au travers des événements d'Ukraine, et ils poussent évidemment ils essayent de pousser la Russie à la faute et de manière à trouver un prétexte à faire la guerre. Ceci étant dit, pour les Russes, les choses devraient être entendues. Le prétexte, ils le trouveront de toute façon. Bah, l'avion de la Malaisie, c'était quand même... Il y avait l'avion de la Malaisie, la Crimée, n'importe quoi. Et que maintenant, on se trouve face quand même à un problème entre la Novorossie et la Russie. Bon. Au départ, je ne sais pas ce que voulaient faire les gens, les insurgés, certainement...
faire quelque chose comme ce qui s'est passé en Crimée, c'est-à-dire se rattacher à la Russie. Maintenant, il ne s'agit absolument plus pour le Donbass, pour la Novorossiya, de vouloir se rattacher à la Fédération de Russie. Hein. Aujourd'hui, l'objectif est de... Déjà, d'ailleurs, il est fait, mais l'objectif est d'étendre dans toute la partie sud-est de l'ex-Ukraine l'Union des républiques populaires de Novorossiya, puisque c'est le terme exact. Union des républiques populaires de Novorossiya, Ça fait un peu et que... URSS, c'est Hein? bizarre. Ça fait un peu URSS. Ça fait un peu URSS. Alors, justement, ce qui est intéressant dans cette Union des républiques populaires de Novorossiya, c'est que il y a un nouveau concept. Et c'est pour ça que nous, ici, à Meta TV, ça nous intéresse particulièrement. Alors, on arbore le ruban de Saint-Georges, hein, qui est le symbole d'ailleurs de la lutte contre le nazisme. Et ce syncrétisme est symbolisé dans le drapeau de Novorossiya. Hein, le drapeau de Novorossiya, c'est un drapeau rouge. Drapeau rouge qui est explicitement le drapeau des travailleurs, celui de la Commune de Paris, hein, et qui est frappé d'une croix de Saint-André bleue et la croix de Saint-André. Saint-André, c'est le créateur de l'église de Constantinople, hein, c'est un des apôtres, un des 12 apôtres, Saint-André, et la croix, comme ça, hein, qui rappelle son supplice, puisqu'il était lui. Sur une croix qui est comme ça. Et donc, l'église de Constantinople, fondée par Saint-André, a évangélisé la Russie, d'abord le duché de Kiev, hein, puisque Kiev, c'est l'origine de la Rousse, et puis de Novgorod ensuite. Bon. Donc, la Novorossiya se veut un syncrétisme entre. Non pas le socialisme tel que c'était avant, il ne veut pas reconstituer le socialisme à la soviétique, mais au moins éliminer les oligarques. Ça, c'est leur objectif numéro un, explicite, bien expliqué. Hein. On a eu une conférence de presse où vous êtes venu, où il y avait Pavel Goubarev, qui est un des leaders de la Novorossiya, qui expliquait que. La première chose à faire, c'est de virer les oligarques, ces fameux oligarques qui sévissent dans l'ancien monde soviétique, c'est-à-dire ces oligarques, ce sont des anciens apparatchiks, hein, plus ou moins communistes, enfin ils étaient là par opportunistes, hein, qui, à l'autodestruction de l'URSS, il faut bien voir que l'URSS s'est autodétruite, ce sont des gens comme Gorbatchev et des gens comme Yeltsin, tous les caciques de l'ex-PCUS qui ont eux-mêmes dissous l'URSS, qui se sont emparés des richesses et de ce pays extrêmement riche, quoi, hein. Des richesses, des industries, ils se sont emparés et ils sont devenus des oligarques. Donc ils se sont bâtis des fortunes considérables et pendant que après l'URSS, pendant que les uns se bâtissaient des fortunes fantasmagoriques, les pays de l'ex-URSS sombraient complètement, hein, avec des taux de mortalité importants. Enfin, il n'y avait plus de pensions qui étaient filées aux vieux, un chômage énorme. Enfin, tout ça a été absolument catastrophique. Et donc, on voit que. Quand Poutine a réussi à prendre le pouvoir en Russie, il a un peu régulé les choses et un peu mettre au pas les oligarques. Il en a mis en tôle. Hein, on a vu Khodorkovsky, le Yukos, il voulait refiler Yukos au Carlyle Group, qui est un groupe de la CIA. Et là, bon, clac, ils ont rattrapé par la peau des fesses, là en tôle. Tu vois, bon, il a pu, in extremis, Poutine, sauver le pays de la catastrophe et le redresser. Ce qu'il a fait, il a redressé le pays,
d'une façon assez spectaculaire, et sans éliminer évidemment l'ensemble des oligarques, hein, il les a simplement serrés. Dans le deuxième plus grand pays de l'ex-URSS qui s'appelle l'Ukraine, eux, les oligarques, par contre, alors ils avaient la bride sur le cou, hein, et puis ils ont mis le pays en coupe réglée, ils ont pillé complètement le pays, se sont partagés les choses, hein, genre par oligarques et gangsters, hein, parce que Kolomovski, là, le Lucreno Israélo, je sais pas quoi, qui vit en Suisse, lui, c'est à coup de flingue, hein, qu'il a bâti sa fortune. Donc, c'est moitié gangster, moitié oligarque. Et ces gens-là, et le résultat est que l'Ukraine est, de tous les pays de l'ex-URSS, le plus pauvre. C'est celui où les salaires sont les plus bas, ils sont plus bas qu'en Chine. Alors que l'Ukraine, c'était la partie la plus riche de Ouais, c'est l'URSS. ça, c'est non seulement C'était la partie l'agriculture la et plus l'industrie, vous avez les industrielle, deux, quoi. voilà. Voilà. Parce qu'on sait qu'il y a les grands champs de blé Il y a, de alors, à l'Ukraine, l'ouest, il y a les grands champs de blé, et à l'est, il y vous avait avez l'industrie. toute l'industrie aérospatiale et militaire, où on a fabriqué la navette Buran, où on a fait la fusée Energia, et tout un ensemble. Moi, j'ai été à Kharkov pas mal de fois dans le programme conversion pour un petit peu évaluer le complexe militaro-industriel soviétique. Et puis j'ai vu à quel point en technologie ils étaient en avance. Bon, donc ici, ces oligarques, évidemment, c'est le poison absolu de ces ex-pays socialistes. C'est le poison absolu. Et en Novorossiya, ils ont dit, nous, on ne veut plus de ces gens-là. On ne veut plus de ces gens-là. On ne veut pas faire partie de l'Union européenne. On ne veut pas faire partie de l'OTAN. On ne veut pas de vos idéologies à la con. Nous, on veut garder à la fois nos communistes et à la fois nos églises. On veut être à la fois rouge et à la fois orthodoxe. Et que nous, on est bien comme ça. Hein, on est bien comme ça, et on veut pas que vous nous emmerdiez avec vos conneries là-bas, vous les gardez pour vous, vos Pussy Riot, vos machins, vos Gay Pride et tout ça. Nous, on ne veut pas entendre parler de ça. Voilà. Donc, eux, ils disent, voilà, nous, dans notre vision des choses, eh bien, on ne veut pas non plus faire partie de la Fédération de Russie. Ouais. D'ailleurs, Dicus dit quelque chose, je trouve très intelligent, il dit c'est bon pour l'Allemagne des salaires chinois en Ukraine. Comment? Il dit c'est bon pour l'Allemagne des salaires chinois en Ukraine. Ah oui. Ouais, c'est Dicus qui dit ça, je trouve qu'il a parfaitement raison, parce que l'Allemagne, oui. elle a tout intérêt à faire basculer l'Ukraine de son côté pour s'en Bah oui. servir, pour faire mettre ses industries, on va faire travailler justement ces Ukrainiens pour fabriquer des bagnoles et tout ce qui est fabriqué en Bah bien Allemagne sûr. à moindre coût. Quelque Bien part, sûr. Bien sûr. c'est bien pour l'Allemagne, quoi, cette affaire. Bah oui. Oui, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est clair. C'est clair, c'est que personne ne veut sortir ce pays de l'ornière. Et justement, la Novorossiya est intéressant pour nous, parce que c'est une expérience nouvelle, qui est basée sur deux autres expériences dont ils vont faire le syncrétisme. Hein. Une expérience malheureuse de l'URSS, dont on va prendre les côtés positifs, tu vois, hein? Et puis, l'expérience de la tradition. Ici, on a beaucoup parlé, souvent, que finalement, on ne pouvait pas sortir un pays de ses fondements historiques, et que, pour eux, la Russie de Pierre le Grand, celle de la Grande Catherine, ce sont des traditions, et aussi la Russie de Lénine, la Russie de Staline, pour eux, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et donc, pour eux, la grande référence historique, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, hein, dont le symbole est le ruban de Saint-Georges. Et cette grande guerre patriotique que les Russes ont menée contre le nazisme, eh bien, l'autre partie de l'Ukraine a la référence historique inverse.
Hein? Donc on voit deux parties de l'ex-Ukraine qui ont des références historiques complètement inverse. Et on voit que les uns mettent en avant les symboles nazis, la zaziska, les autres mettent en avant les drapeaux rouges, la faucille et le marteau, mais également la croix de Saint-André, même également Saint-Georges et la religion, les icônes, la religion orthodoxe, etc. Voilà un petit peu ce que représente la Novorossiya et ce qui est extrêmement intéressant pour nous Français, et ce qui a motivé d'ailleurs que des jeunes Français aillent combattre là-bas. Hein, et que, bon, et ces jeunes, je les connais, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé mon avis avant de partir. Moi, j'ai été surpris parce qu'ils ne viennent pas d'un milieu idéologique similaire au mien, mais ils m'ont expliqué qu'ils étaient anti-impérialistes et que ils étaient pour la Jamahiria libyenne et pour la Syrie et contre l'impérialisme états-unien partout dans le monde, pour les Gazaouis, etc. Donc, moi je dis, non, votre vision des choses est parfaitement claire et que vous avez bien le droit de même vouloir vous sacrifier, parce qu'à l'époque, les pertes étaient importantes, donc j'ai trouvé que leur démarche était particulièrement intéressante. Bon, maintenant, il y a quand même un petit problème, c'est que... Alors voilà, parce qu'il y a un fait quand même que beaucoup de gens justement savent pas sur la situation, on en parlait tout à l'heure, il faut quand même l'expliquer. Les troupes, on va dire, de Novorossiya ont avancé, ont libéré un certain nombre de villes et ont causé des pertes apparemment vraiment assez Monumental. énormes, monumentales donc aux troupes de Kiev. Hein. Et les troupes de Kiev, j'ai presque envie de dire moribondes, au dernier moment, in extremis, on apprend qu'il y a un couvre-feu, enfin un cessez-le-feu qui est instauré, alors même que les troupes, je veux dire, de Novorossiya auraient pu, on va dire, continuer leur conquête jusqu'à Kiev et faire casser ce pouvoir définitivement. Et là, on s'étonne parce qu'on se dit que forcément, ça vient de Poutine, cet ordre. Et donc, quel est l'intérêt de Poutine de stopper l'avancée de Novorossiya alors même qu'on pouvait peut-être arriver à une solution qui était en plus, lui, qui tombait vainqueur. Hein, donc, là, moi j'ai l'impression que ça donne raison beaucoup à Pierre Hilard, qui met beaucoup de réserves sur l'attitude de Poutine et qui dit que Poutine joue un jeu assez ambivalent, assez équivoque. Et finalement, je commence à me demander si c'est pas Hilard qui a raison. Alors on va pas se faire de l'anti. Ah non, je fais pas de l'anti-Poutine, hein, mais je Mais dis que non. Hilard nous met en garde et il a pas tort. T'as raison de poser. Alors il y a un certain nombre, effectivement, de questions. Moi je suis Novorossien, hein, c'est ma nationalité, puisque je représente la Novorossiya en France, officiellement, j'ai une lettre patente. Hein. Et évidemment, je me mets vraiment à leur place. Et les forces armées de Novorossiya, hein, les FAN, les commandeurs, les commandants sont extrêmement mécontents de cette trêve. Bon, alors comment que ça s'est passé? Il y a eu les forces de Kiev ont mis le paquet militaire, hein, contre eux. Hein. Donc il y a un moment où Strelkov, qui commandait tout ça, a été obligé de reculer, d'abandonner Slaviansk et Kramatorsk, et puis de se faire une forteresse autour de Donetsk et de Lugansk. Le 24 août, il y avait les fêtes de, je ne dis pas d'indépendance, mais de la dépendance de l'Ukraine. Hein, et que le pauvre Ochoko, il avait donné l'ordre en disant le 24 août, vous m'ayez nettoyé tout ça. Donc les Ukrainios, ils ont mis le paquet, ils ont mis tout ce qu'ils avaient et ils sont partis au combat avec des forces disparates, hein, l'armée régulière, la garde nationale avec des ramassis de je sais pas quoi, le régiment de Dniepr de Kolomoïski, c'est-à-dire ses pravi sector, C'est pravi secteur. c'est lui qui les paye. Hein, donc ils ont enfilé au nerf vif d'extrême droite, ils ont enfilé des armes. Et puis l'autre, c'est le bataillon Azov de l'autre partie
qui est l'ancien parti national socialiste ukrainien qu'ils appellent, je sais pourquoi, je sais plus comment ils appellent maintenant, mais enfin, c'est l'autre parti des néo-nazis. Svoboda, c'est pas ça? Svoboda, voilà. Et donc, ils sont partis comme ça, chacun avec son commandement et avec des chefs militaires qui n'avaient jamais fait la guerre et qui ne savaient pas comment la faire. Bon. Et donc, ils ont usé le. Donc, ils se sont mis dans un réduit et ils ont usé des forces contre des défenses inexpugnables. Strelkov, qui a lu Djoukov, hein, bien que Strelkov, ce soit un monarchiste, son maître à pensée militaire, c'est Djoukov, c'est la bataille de Stalingrad et le Seigneur de Koursk. Hein. Lui, il connaît bien toutes ces manœuvres de l'encercleur encerclé. Tu vois? Donc, ce qui est marrant, parce qu'on a vu avec mon ami Svetlana Kisilieva, à chaque fois on suivait ça, puis on se disait, tiens, quand Strelkov il est pas content, c'est que c'est bien, quoi. Parce que, en fait, il a laissé des points faibles dans ses défenses. Il a laissé des boyaux, tu vois? Hein? Donc on dit, ah ouais, mais là, les Cosaques, ils sont enfuis. Mais les Cosaques, ils sont enfuis. Ils ont laissé un truc étroit. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils faisaient le tour des défenses, ils rentraient pas. Ils sont rentrés dans un boyau. Mais comme c'est des nazes du point de vue militaire, eux, ils n'ont pas lu la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas leur truc, tu vois. Tu vois? Hein? Alors, on sait que une armée moderne, on va dire les deux tiers ou les trois quarts des hommes sont dans l'approvisionnement. Surtout une armée mécanisée, qui dépense beaucoup de munitions et de carburant. Donc tu as les forces de choc, hein, de choc. Et puis, notamment les forces de choc doivent avoir un flanc droit, un flanc gauche, parce que dans toute percée, tu risques, justement, tu risques sur les flancs, tu risques de te faire couper. Parce que maintenant, on sait très bien que tu as ton bataillon de choc, et derrière, sans arrêt, il faut ramener du carburant et des munitions et de quoi becter. Sans arrêt, sans arrêt. Tu vois? Donc une armée qui est coupée de ses arrières, elle est foutue. Elle se retrouve avec plus rien. Plus de carburant, plus de munitions, plus rien. Voilà. Elle se retrouve dans ce que eux, ils appellent des chaudrons. Donc, ces idiots, ils sont tombés une fois dans un chaudron. On veut dire, tiens, quand même. Bon, ils n'ont pas fait gaffe, ils sont rentrés, ils n'avaient pas de flanc. Hein? Ils ne savent pas ce que c'est qu'un système, je ne sais pas. Ils n'ont pas lu les traités militaires, même les plus simples. Ils sont rentrés dans les chaudrons. Dans les chaudrons, ben, pouf, coupé derrière, quoi, c'est facile, hein? Puf, alors donc, plus rien. Et puis, il est bombardé à coups de Staline, hein, de lance-roquettes multiples. Et puis, au bout d'un moment, ils leur disent, bah écoutez, vous avez le choix, soit les militaires de l'armée régulière, vous partez, on vous laisse partir, vous gardez quelques véhicules, et vous laissez le gros des véhicules sur place. Voilà. Donc, c'est ce qu'ils faisaient en général. Alors, ceux qui, il y en a beaucoup qui sont partis, qui ont laissé les véhicules, et petit à petit, eux, ils se sont fait une collection de blindés. Hein? Puis il y en a beaucoup qui se sont fait exploser des blindés. Alors, ces abrutis du Kranios, ils ont fait ça une fois, le chaudron numéro 1, mais il y en a eu 2, 3, 4, 5, plusieurs. Ils sont rentrés plusieurs fois dans des chaudrons, dans des pièges tendus comme ça. Ce qui fait que l'armée de Novorossiya a grossi en blindés. D'ailleurs, ils ont un gros problème parce qu'ils n'ont pas, pour les chars, il leur manque des équipages. Et ils se sont retrouvés avec des lance-roquettes multiples, avec les munitions, D'accord, etc. les etc. dernières Voilà. armes. Voilà. Et que, au bout d'un moment, en multipliant ce jeu-là, hein, cours en août, et courant septembre, ben ils se sont trouvés qu'ils ont perdu 60% de leurs blindés. Et plusieurs milliers d'hommes. Donc, ils ont essayé de mobiliser une fois, ils ont mobilisé deux fois, la troisième fois, il n'y a plus personne, et puis maintenant, les gens, ils veulent plus aller au casse-pipe parce que c'est extrêmement dangereux. Donc,
À un moment donné, tout leur dispositif s'est écroulé parce que on voit bien quand une armée, vous avez deux armées, elles se confrontent. Puis pouf, tout d'un coup, plaf, il y en a une qui peut plus. C'est le cas de toutes les batailles. Quand on étudie les batailles, c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Il y a une armée qui collapse complètement. Et eux, ils étaient, l'armée qui vient, hein, s'est effondrée. Alors eux, ils ont foncé vers le sud. Hein, ils sont arrivés sur la mer d'Azov, ils ont encerclé Marioupol, ils étaient déjà, ils avaient leurs avant-gardes étaient dans l'oblast d'à côté, tu vois, dans l'oblast de Kolomoïski. Et donc, l'armée qui vienne était, ne pouvait plus faire face, quoi. Et c'est là que il y a eu ces fameux accords de Minsk qui on leur a dit, alors, vous arrêtez tout, les mecs, voilà. Ils ont arrêté tout, alors ils ont tout arrêté, puis le lendemain, ils ont eu une colonne de ravitaillement russe, quoi. D'accord. Alors c'était un peu la récompense, quoi. Alors il faut dire que les commandants de Novorossiya sont furieux. Alors bon, ils gueulent pas contre la Fédération de Russie ouvertement parce que Ils finalement... soutiennent, mais quand même, pour eux, il y a eu un bug, il y a eu quelque chose dans cette affaire qui est bizarre. Voilà. Alors je me souviens, les journalistes, quand ils avaient foncé, quand ils fonçaient, il y avait les journalistes qui disaient, mais vous voulez faire la jonction avec la Crimée, et le commandant qui commandait l'armée du Sud a dit, non, 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 on va à Odessa. On va à Odessa. D'accord. Là, on est parti. Et il dit, dans 2, 3 jours, on est à Odessa, tu parles. Alors là, ils ont été obligés de reculer pour se remettre sur des positions préparées à l'avance. Voilà, On va faire à suivre en tout cas parce qu'on a vu aussi Brzezinski qu'on appelle à s'unir contre la Russie. Enfin bon, on est dans une cocotte minute. voilà. Alors, maintenant, les Russes disent oui, mais d'ailleurs, il fallait arrêter parce que sinon, on partait dans un conflit avec les États-Unis, etc. Mais on dit, de toute façon, le conflit est là, quoi. Quoi que la Russie fasse, le conflit, il est là. Et Donc, c'est... juste une question justement Oui. avant qu'on passe à un autre Oui, non, sujet. mais on On me peut... demande si tu as des nouvelles des combattants français justement. C'est vrai qu'ils sont. Oui, ah bah j'ai pas mal de contacts avec eux, puisque vous savez que on ne devrait pas le dire, mais les flics, de toute façon, comme ils savent tout, donc ils sont passés par moi au départ. Donc c'est un peu mes petits-enfants, hein, c'est un peu mes fils, hein, les combattants français. D'ailleurs, ils passent tous par moi quand ils partent là-bas. D'abord, ils vont très très bien, hein, donc ils font plutôt, alors comme, d'abord, ils ont fait une brigade franco-serbe. Hein, Ah, d'accord, ouais. ouais, alors, parce que leur organisation, qui s'appelle l'Unité Continentale, a été faite à Belgrade. Hein, les D'accord. franco-serbes, elle est eurasiste et se réfère à Douguine. D'accord. Voilà. Ça va plaire à BHF. Bon. Donc ils ont créé, ils ont, ils, quand ils sont arrivés, les premiers un peu difficilement parce que ils ont été arrêtés par le FSB à la frontière. Donc, bon, et qui leur ont enlevé leur visa. Donc on peut dire la cinquième colonne, elle est bien active hein, quand même. Hein. Ouais. Et donc ils ont été obligés de prendre des risques et de passer par Kiev. Ils sont passés par l'Ukraine, ils sont arrivés là-bas, et puis ils sont tombés sur le bataillon Vostok, le bataillon Vostok qui les a pris en charge. Ils ont commencé hein, à s'acclimater, et bon, il y a des problèmes de langue, mais comme la plupart, c'est des gens qui ont une expérience militaire, ils servent plutôt de formateurs. Ouais. Hein? Ils servent de formateurs. Donc maintenant, ils ont créé une véritable brigade. Hein? Ils sont une vingtaine hein, de Français et de Serbes. Ils ont été affectés à un autre bataillon.
Et bon, là, pour l'instant, donc, bah, il appuie la guerre, il patrouille, il forme les gens, il forme les gens aux techniques de combat de l'armée française, qui sont des techniques très, très élaborées. Très élaborées, hein. C'est parce que les Russes ont un peu tendance à prendre des risques dans les combats. C'est beaucoup des mineurs, des métallurgistes, des gens comme ça, très déterminés. Donc, ils leur apprennent les techniques de combat, voilà. Donc, ils sont parfaitement intégrés. Je voulais aussi, vis-à-vis d'eux, rajouter un mot, c'est qu'on les a traités de fachos un peu partout, alors que là-bas, ils sont très bien avec les communistes, puisqu'il y a des nationalistes et des communistes, et ils s'entendent très bien avec tout le monde, et eux, ils ont bien compris le syncrétisme qu'il y avait là-bas. Ils l'ont parfaitement intégré. Et que les dissensions, les problèmes politiques en France n'ont rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Hein, j'ai vu sur un site communiste l'autre jour qui soutenait la Novorossiya, mais qui crachait à mort sur ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi en les traitant de nazis ou de je sais pas quoi. Ça n'existe plus, ça, ce genre de conneries. Les gens, ils n'ont rien compris, quoi. Aujourd'hui, les nationalistes, tous ceux qui veulent combattre l'impérialisme, doivent s'unir. On s'en fout d'idéologie qu'il y a, ou la pseudo-idéologie Ok. qu'il y avait. Bon, ben, on va passer au sujet parce que l'heure avance. Hein, Ouais, on avait dit. Eh ben, on est dans les temps. Voilà. Alors, on va commencer donc Bon. par poser les choses. Alors. Là, on va parler de la femme. Voilà. Tiens, c'est sympa, hein, on n'a pas de femme. Mais bon. Alors, ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une période historique où le rôle de la femme a été inconnu, a eu une embellie, et après est retombé. Le rôle de la femme dans la société, comme j'ai montré, la couverture d'historien qui pousse un petit peu, hein, le Moyen Âge libère la femme. Bon, après avoir dit le Moyen Âge, c'est une période très sombre. Et donc, on va commencer par voir pourquoi il y a dans l'histoire des périodes où il y a des différences sexuelles marquées, c'est des périodes matriarcales, des périodes patriarcales, et des périodes où les femmes peuvent jouer un rôle dans la société, ou des périodes où elles en jouent pas du tout. Et ça, c'était le cas de l'Occident pendant très longtemps, depuis le XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, où la femme était entièrement soumise à l'homme. Donc, on va rappeler un peu l'épisode précédent, hein, Alors, je mets la carte. voilà, avec cette carte, Voilà. hein, Alors, tu voilà vois, la carte derrière nous. voilà, je sais pas si on la voit bien. Ah bah si, on la voit, regarde. C'est bien parce que ça nous ramène à l'Ukraine, parce que, rappelle-toi, on avait vu que pour le continent eurasiatique, il y avait deux grandes civilisations, hein. Une civilisation à l'est du Dniepr, qui est une civilisation de pasteurs, hein. Donc on voit d'ailleurs, on voit bien cette région, c'est qu'une plaine herbeuse, hein. Donc, qui était propice à la chasse, puis à l'élevage. Et on voit que dans les populations primitives de chasseurs-cueilleurs, c'est les hommes qui chassaient et les femmes qui cueillaient. Et donc, ce sont les hommes qui ont domestiqué les animaux, et puis les femmes On fait qui ont l'agriculture, fait d'accord. l'agriculture. Et donc, on trouve évidemment d'un côté des divinités mâles, des sociétés mâles, et de l'autre des sociétés femelle. Donc, on voit, et donc c'est curieux parce que c'est comme aujourd'hui, c'est le Dniepr qui fait la frontière. La frontière. Hein, c'est une petite curiosité. On voit que d'un côté il y a Novorossiya et de l'autre côté les nazillons ukrainiens. Bon, c'est comme ça. Il n'y a aucun rapport, mais bon, il faut dire que quand même ce Dniepr, il représente une frontière naturelle. Donc, On voit pas. on va voir que la première représentation humaine,
hein, dans l'histoire de l'homme, et une représentation féminine, hein, environ 35 000 ans avant Jésus-Christ. C'est en France, hein, cette petite statuette, on peut la voir au musée de Saint-Germain-en-Laye. Elle a été trouvée dans le sud-ouest, dans ce qu'on appelle l'espace franco-cantabrique, où il y a l'essentiel des vestiges du paléolithique. Hein, paléolithique, la pierre taillée, et on voit déjà qu'au paléolithique, donc les chasseurs, les cueilleurs, mais quand même les femmes sont les seules qui sont représentées, et ça va durer de moins 35 000 ans à peu près moins 3 000 ans, c'est-à-dire pendant presque 30 000 ans. Les seules représentations humaines sont des femmes. D'accord, c'est bon. Donc, ce qui montre quand même que les femmes jouent un rôle essentiel dans la société, donc sont certainement des déifiées. Alors là, on va montrer, par exemple ici, hein, ça c'est à peu près à la même époque du paléolithique, hein, on voit cette vision d'une femme qui est extrêmement stylisée, dont les attributs sexuels sont hypertrophiés, et donc on peut comprendre que ce qui est représenté là, c'est la fertilité, hein, chez la femme, puisque la femme fait des enfants, et on peut comprendre que pour la tribu, avoir une fertilité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc, là, c'est encore à la même époque, hein. Donc, on voit une femme... là, tu peux me mettre celle-là aussi? Oui, bien sûr. Hein, on a une femme, alors là, carrément obèse. Carrément obèse, hein. Tu vois, les canons de la beauté. Alors ça représentait les canons de la beauté féminine, hein. Bah oui, voilà, donc... Ça va leur plaire, à certaines. Bah, écoute, Ne complexez pas, mesdames. Alors, ensuite, quand on passe au néolithique, là, tu peux passer les autres statuettes. Hein, donc ça, c'est... Là, on a sauté 20 000 ans, hein. Mais... dans le néolithique des Balkans, hein, de la Roumanie, de la Bulgarie, eh bien, on a trouvé partout ce genre de statuettes qui ont moins 10 000, moins 6 000 ans, moins 4 000 ans. Donc, on voit toujours ce genre de déesse, et on ne voit jamais de représentation masculine. Jamais. Et là, c'est quoi ça? Alors, ce sont des statuettes qui ont été prélevées dans les différentes fouilles qu'on a fait dans les Balkans, en Bulgarie notamment, si tu veux, là où se trouvent beaucoup de civilisations du néolithique. Hein? Donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle l'Europe ancienne. L'Europe ancienne. Tu sais ce qu'on a retrouvé là? Des pyramides.